tribunes sont pleines ici à Buenos Aires, à l'Estadio Presidente Perón. C'est Hervé Matou et je suis très heureux de vous faire vivre aujourd'hui ce match qui promet beaucoup. L'Argentine contre la Belgique. Match s'annonce passionnant. Allez, on va se régaler, j'en suis certain. Sur votre écran, la composition de l'équipe argentine. Emiliano Martinez sera dans les buts. Léo Messi sera associé à André Di Maria, qui jouera sur les ailes. Il n'y aura qu'un seul attaquant en pointe, ce sera Lautaro Martinez. Alors que s'affiche la composition de l'équipe de Belgique. Thibaut Courtois sera dans les buts. Alder Vérel en défense aux côtés de Yann Vertonghen. Devant Romelu Lukaku pour porter le danger en attaque. Aux côtés d'Eden Hazard. Le coup d'envoi donné par la Belgique. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Allez, ça joue vers l'avant. Lo Celso. Et Courtois qui, bien sûr, ne se laissera pas surprendre. Vettel. Et là. Kevin De Bruyne. Allez, avec Castagne. Allez, faut centrer vite. Danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Léo Messi qui sera comme toujours à surveiller de très près. Les Argentins qui ont le ballon. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Vettel. Un Carrasco. Derrière, il continue là d'avancer. Axel Witsel. Eden Hazard. L'Argentine qui rend ce ballon à l'adversaire involontairement. Hazard. Kevin De Bruyne. Ouais, bon tacle, il lui a pris le ballon. Mais non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Il avait vu venir. Di Maria. Lo Celso. Oh, ça aurait pu passer, mais l'action n'ira pas plus loin. Interception. Van Aken. Romelu Lukaku.
Romelu Lukaku. De Bruyne. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Et ça va s'arrêter là, très beau geste défensif. Giovanni Lo Celso. Et les Argentins à l'attaque. Angel Di Maria. Lo Celso. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes, il fallait avoir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. D'ailleurs, il y avait une faute, mais l'arbitre a laissé l'avantage à la Belgique. Toujours Carrasco. Eden Hazard. Ils conservent, ils font circuler, mais ils attendent la faille, bien sûr. Hans Van Aken. La bonne lecture du jeu sur cette interception. Eden Hazard qui est venu jouer ce ballon loin du but, c'est nécessaire. On monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp, bien on attend. Ah, il gagne la possession. Lautaro Martinez. Et il va profiter d'une erreur de marquage. Oh la faute, il va y avoir un bon coup franc. Le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. Messi. Ah, pas de problème, pas de problème. Ballon qui n'est pas assez appuyé, pas assez travaillé. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Lo Celso. Di Maria. Di Maria. Ouais, il est bien placé pour centrer. Il perd le ballon. Romelu Lukaku. De Bruyne. Un ballon qui est perdu par la Belgique. Eden Hazard. Oh, c'est une bonne occasion là pour Lukaku. Mauvais dégagement là, attention. Et le gardien qui s'interpose magnifiquement. Lionel Messi. Giovanni Lo Celso. Marcos Acuña. Centre peut-être, allez. Avec un tir. Ouais, faut pas hésiter à plonger là pour écarter le danger. Il faut rester méfiant sur ce type de ballon. Il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner. Angel Di Maria. Oh, le ballon qui passe très loin du cadre. Un peu de désinvolture dans cette frappe. Thank you.
Timothy Castagne avec De Bruyne. Alderweireld. Kevin De Bruyne. À la touche à venir après ce bon tacle. Il va sûrement essayer de chercher quelqu'un dans l'axe. Kevin De Bruyne. Le centre de Kevin De Bruyne. L'occasion de prendre l'avantage. Et le but de Lukaku. Lukaku pour l'ouverture du score, ça fait 1-0. On voit cette séquence qui amène ce but, ce dégagement raté. C'est clair que quand on fait des cadeaux comme ça, la punition est immédiate. Et les Belges qui peuvent gérer leur avance dans ce match. Montiel. Rodrigo De Paul. L'action qui se poursuit. On cherche la faille dans la défense adverse. Oh, il était temps d'intervenir là. Kevin De Bruyne. Van Aken. Eden Hazard maintenant. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Bon, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Alderweireld. Le joueur belge qui progresse, attention. Avec Timothy Castagne. Ballon perdu. Contre-attaque peut-être. Un belge qui perd de ce ballon. Lo Celso. André Di Maria. Allez, on peut égaliser là. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Van Aken. Romelu Lukaku. Eden Hazard. La Belgique à l'attaque. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Bonne intervention du défenseur qui a écarté le danger. Tacle de Van Aken, sans commettre de faute, c'est bien joué. Et le défenseur qui a contré. André Di Maria. Il progresse vers le but. Allez, faut centrer vite. Lautaro Martinez. Messi. C'est dangereux. Il prend la frappe. Oh, le bon plongeon là de Courtois. Le public qui se fait entendre. Eh, c'est vrai que ce corner, c'est une bonne légalisation. Le Messi qui frappe ce corner, bien parti. Et c'est le gardien qui va s'imposer sur ce corner. De Bruyne. Avec De Bruyne. Lukaku. Eden Hazard. Pour Carrasco. Le centre en retrait, attention. Rodrigo De Paul. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Il s'est ouvert le chemin du but. Oh, quel arrêt! Quel arrêt magnifique! Mais bon, dommage pour les statistiques, parce que l'arbitre avait mis un terme à l'action. Le drapeau s'était levé.
Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Léo Messi. Magnifique récupération du ballon avec ce tacle de Vertonghen. Messi qui intercepte. Allez, le centre maintenant. On est en train de remonter le terrain. Ah, cette attaque qui avorte finalement. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Ouais, il fait un bon match hein, dans cette première période pour l'instant, je trouve. C'est lui qui donne l'avantage à son équipe, donc évidemment son apport est important dans cette partie. Et en seconde période, confiant comme il est, je le verrais bien être décisif. Allez, c'est parti, l'Argentine pour lancer cette seconde période. Kevin De Bruyne qui intercepte. Vettel. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Kevin De Bruyne qui est passé. Le centre de Kevin De Bruyne. Hasard. Voilà, bonne intervention du gardien qui repousse. Lionel Messi. Rodrigo de Paul. Montiel. Attention, il peut centrer là. Lautaro Martinez. Oh, il était temps d'intervenir là. Vettel. Timothy Castagne. Il y a des Carrasco. Un ballon récupéré par l'adversaire. Il avait bien senti le coup. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Attention, la passe en profondeur. D'accord, toi qui bien sûr ne se laissera pas surprendre. Vettel. Van Aken. Eden Hazard maintenant. Attention, ça peut devenir intéressant. Yannick Carrasco. Ah, il repousse, ça joue. La défense a eu chaud, c'était une belle occasion. On a décidé de laisser venir l'adversaire, hein, visiblement. Le centre dans la surface. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Lionel Messi. Rodrigo de Paul. Lautaro Martinez. Mais non, cette action ne donnera rien. Un ballon. Martinez. Lionel Messi. Ah oui, c'est bien fait ça. Le 2. Thibaut Courtois qui fait l'arrêt. Carrasco. L'offensive menée par Kevin De Bruyne. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. Ouais, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. On va assister à un changement dans cette équipe.
De Bruyne va chercher un partenaire dans la surface. Ah, il a sorti les muscles là pour. Allez, gros danger là pour Lukaku. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Angel Di Maria. Paolo Dybala. Le ballon est perdu. Allez, attention à l'éventuelle contre-attaque. Il n'est pas vraiment inquiété, alors il continue. On a vu que le ballon avait été touché par le défenseur avant de sortir. C'est donc un corner. Il joue son va-tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser. Alors il fait ce qu'il faut pour. Ah, il est bien parti ce corner. Tranquillement hein, pour le gardien ce centre. Belle prise de balle. Alejandro Gomez. Messi. Ils font bien circuler le ballon. Ils sont patients. Di Maria. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Superbe réflexe, superbe intervention vraiment. Mais ce sauvetage n'était pas nécessaire car il y avait hors-jeu au début de l'action. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. Ça, c'était dangereux, bonne intervention. Paco Gomez. Ah, c'est bien donné ce ballon. Et l'action n'ira pas plus loin. Corner, c'est un ballon d'égalisation. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Reprise de la tête et ce n'est pas cadré. Kevin De Bruyne. Minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, il avait vu venir. L'ambiance qui est un petit peu montée d'un cran. Le public qui a compris que c'était le bon moment là pour égaliser. C'est qu'il a manqué sa passe et qu'il donne le ballon à l'adversaire. Attention à cette action côté belge. Cette faute qui donne un coup franc dangereux. Il y avait la distance, mais ce n'était pas cadré. Paco Gomez. Paredes.
rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? L'Argentine qui rend ce ballon à l'adversaire involontairement. C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Kevin De Bruyne. Il choisit de repiquer au centre. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Lionel Messi. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Il centre au second poteau. Un petit but pour l'instant qui suffit au bonheur de cette équipe. Messi, Paredes. Ah, plus qu'un but à marquer pour l'Argentine pour tenter d'égaliser, mais il va falloir faire vite. En retrait pour un coéquipier. La bonne frappe, elle était cadrée à mon avis, mais la tentative a été déviée. Et il récupère dans la moitié adverse. La bonne présence là du gardien. Eden Hazard. Yann Vertonghen. Eden Hazard. Un Carrasco. Ah, il dépossède son adversaire du ballon. Marcos Acuña. Angel Di Maria. Paolo Dybala. Alors, il peut y aller, il peut marquer Dybala. Et le but! Oh, il égalise en toute fin de match. Un but partout, les deux équipes dos à dos. Qui perd de ce ballon. Il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut bien exploiter ce ballon, hein, côté argentin. Oh, magnifique arrêt de tir pour toi. En position avec son corps pour protéger la balle. Récupération et peut-être une action dangereuse. Il résiste bien, hein, bien campé pour protéger son ballon. Bien protéger ce ballon. David Carrasco. Pour Vertonghen. Romelu Lukaku. La Belgique à l'attaque. Eden Hazard. Et le but! Peut-être le but de la victoire, alors qu'on approchait vraiment de la fin de match. Magnifique ralenti, hein, cette frappe. Même au ralenti, elle va vite. C'est une mine incroyable. Les Belges qui mènent désormais. Paredes. Allez, il faut s'appliquer. Peut-être l'un des derniers ballons pour égaliser dans ce match. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Même dans le cœur. Van Aken, le bon centre dans la surface. Oh, la faute, oui, pas correct ce tacle et l'arbitre à mon avis va le sanctionner. Carton jaune pour Toby Alderweireld pour cette faute, c'est logique. On revoit cette intervention défensive irrégulière.
La fin du match et donc la bonne opération pour cette équipe qui s'impose à l'extérieur. Une équipe qui, à force de persévérance, a donc remporté la décision